Et salut tout le monde, c'est Farage et bienvenue les amis sur ce nouveau let's play de Heart of Darkness. Et ouais, je reste plus ou moins dans le rétro. Après Metal Gear, on remonte encore plus dans le temps pour jouer à ce jeu Heart of Darkness, un jeu qui, si ce jeu était sorti aujourd'hui, on aurait caractérisé ce jeu en disant que c'est un excellent jeu indé. Pour moi, c'est un jeu qui a très très bien vieilli, un jeu sorti sur PlayStation 1 en 1998. Pour certains, j'imagine, c'est peut-être votre année de naissance. Et c'est un jeu qui va nous mener aux commandes de Andy. Dis-moi oui. Pardon. Dans le monde des ténèbres, en fait. Mais vous allez comprendre ça petit à petit. Alors au début, on va faire dans les options. Alors, difficulté. On va jouer en normal. Manette, course, saut, tir, gros pouvoir. Donc vous voyez, c'est pas très très compliqué au terme de commande. Et le son, ok. Bon, par contre, ce verre là fait très mal aux yeux quand même. Hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est un vieux jeu que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment. Partie en cours. Donc là, on est dans le garage d'Andy pour les options, ce qui est plutôt sympa, hein, faut avouer. Projection, donc ça c'est pour revoir les cinématiques. Faut savoir que c'est un jeu qui à l'époque avait des cinématiques, mais des cinématiques de malade. C'était des cinématiques vraiment pour la, pour bah ouais, là vous voyez Andy. Vous voyez ce genre de graphisme pour l'année 1998. Faut savoir que c'était quand même quelque chose d'énorme. C'est un jeu en fait qui se base, c'est un jeu d'aventure énigme qui évolue sur un univers avec des de tableaux fixes où les seuls être qui bouge, c'est les objets éventuellement avec lesquels on peut interagir, Andy bien entendu, et les ennemis. Donc du coup, le fait que ce ne soit pas des décors mouvants, je sais pas si ça se dit, des décors qui bougent en tout cas, ça fait qu'il y a eu un énorme travail artistique derrière ce jeu, et bien vous allez voir de toute façon ce qu'il en est, hein. Donc c'est parti, bah jouer. Donc un jeu édité par la boîte Ocean, qui a fait d'excellents jeux hein, à l'époque, et développé également par Amazing Studio. Donc vous avez vu vous passer Infogrames, pour ceux qui regardent les vidéos du joueur du grenier, Infogrames n'a fait que des mauvais jeux quand il s'agissait d'adaptation de bande dessinée. Hein. Pour ce qui est de ce jeu, c'est une réussite totale. Vous allez voir. Pascal de France. Oh, on a les crédits en fait dès maintenant, comme ça c'est fait. Mais là vous voyez en fait on pénètre dans le système solaire, enfin dans la galaxie, et ensuite dans le système solaire. Heart of Darkness. Le cœur des ténèbres. Donc là, même aujourd'hui, il faut reconnaître. Bon, on est d'accord, c'est pas de la Full HD, c'est pas du 1080p, c'est pas de la Xbox One, de la PS4, du PC, ce que vous voulez. Mais, même, c'est pas moche. Notre naissance à l'effet gravitationnel, on appelle plus couramment des trous noirs. Les propriétés physiques des trous noirs sont saisies. Qu'ils ont longtemps nui à la crédibilité des scientifiques. Certains pensent encore que les trous noirs sont de véritables portes ouvertes à des mondes parallèles, inconnus et fascinants. Andy, encore dans les nuages? Mon Dieu, j'étais en train de... Silence! Si mon cours sur les trous noirs ne vous intéresse pas, peut-être apprécierez-vous le noir du placard. En même temps, avec une gueule pareille, tu fais peur, mon gars. Hein. J'ai rien fait. Taisez-vous! Lâchez-moi, lâchez-moi, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est ce qu'on va voir. Alors... On a peur dans le noir, hein? Oui, il faut savoir qu'Andy est en fait un garçon qui a peur du noir. Ça va, et ça va avoir toute son importance dans le jeu. N'oubliez surtout pas d'aller voir l'éclipse cet après-midi. J'en interrogerai un ou deux. Enfin, Yahoo! Salut, Whisky. Arrête. Mais quoi,
qu'est-ce que tu veux? J'ai rien pour toi. Ouais, d'accord, allez, tiens. T'es un bon chien. En vite, Bouche-Cœur, va le rater. Il a une machine volante qu'il a fabriquée lui-même dans son gars, dans son sa cabane, n'empêche. Candy doit avoir quoi, 8 ans, 10 ans. Mais c'est quoi ce truc? Et voilà, ça y est, on est arrivé. Oh putain, j'ai bien fait de sauter, dites donc. Donc les commandes. Les commandes sont toutes simples. Y pour l'attaque puissante pour tirer. Rond pour l'attaque normale. Mais bon, là, avec le pistolet électrique, c'est pareil. On peut sauter, faire un double saut. Et carré, carré, ça doit être pour courir. Voilà, là on marche et là on court. Bon ben voilà, je suis mort. Premier game over du jeu, c'était pour vous montrer la cinématique, bien entendu, c'était délibéré. Voilà, donc vous voyez, le principe, ça va être d'évoluer sur ces tableaux. Tableaux qui, regardez, moi je trouve ça, les décors vraiment très beaux. La direction artistique, comme je vous l'ai dit, est vraiment géniale. Regardez notamment les ombres. Regardez l'ombre d'Andy,
les animations d'Andy, tout est vraiment très très bien travaillé. C'est pour ça que je vous ai dit qu'aujourd'hui on pourrait qualifier ce jeu d'un excellent jeu indé, même si elle, en fait c'est pas du tout le cas. Et voilà, donc le but, on a pénétré dans le monde des ténèbres et on doit aller récupérer notre chien qui a été enlevé. Donc allons-y. Regardez les ombres là-haut. Vraiment beau. Donc là, il va falloir courir et tomber. Bon alors ouais, bon par contre ça reste de la PS1, c'est-à-dire que la maniabilité n'est pas des plus excellentes, on va dire. Voilà, il faut en fait, il faut... je vais pas y arriver. Il faut anticiper les sauts, mais bien à l'avance. Alors moi je sais pas si j'ai vraiment besoin de prendre de l'élan en fait. Et réfléchissant, on va se mettre bien au bout. Ouais voilà. Bon, c'est pas évident, évident. Oh là, des ombres machiavéliques m'attaquent. Donc là vous voyez la... le fait que les objets bougent, ça va nous permettre, ça nous indique en fait potentiellement qu'on peut interagir avec eux. Et là en l'occurrence je l'ai cassé, parce que si je l'ai pas, si je la cassais pas, je vais vous montrer ce qui se passe. Hein. Suicidé. Je vais vous montrer ce qui se passe. Voilà, regardez, si j'avance, toi dégage. Si j'avance, regardez. Vous voyez, l'ombre est devenue vivante et m'a fait tomber. Donc il faut la casser. Et vous avez des checkpoints automatiques comme ça, à peu près tous les 2-3 tableaux. Ça dépend. Donc là, c'est le même principe, vous voyez. Hop, si je m'approche. On détruit ça. Et ce que vous entendez, ce sont les ombres, les ennemis d'Andy. Parce qu'Andy, je vous rappelle, a peur du noir. Et donc, les ennemis sont des ombres. Ah, lâche-moi. Et dans ce jeu, la moindre erreur est fatale. Hein. Un coup, vous êtes mort. Donc vous avez intérêt à faire très attention parce que eux, s'ils m'attrapent, ils me bouffent. Voilà. Donc là, alors celle-là, c'est un... J'avais... La première fois, j'avais mis très longtemps avant de comprendre ce qu'il fallait faire. En fait, il faut viser l'espèce de dent qui est là-haut. L'espèce de stalactite. Et là, on court. Waouh! Ah bah voilà, vous voyez ce que je vous disais, il m'a bouffé. Je suis mort. Tais-toi. Donc là où l'intelligence est plutôt bien faite, c'est que vous voyez, si j'attaque... Ah, dégage. Si j'attaque en haut, il se baisse. Si j'attaque en bas, il se met à sauter. Et en soi, c'est plutôt bien pensé comme, comme système. Parce que pour un jeu de 98, avoir une intelligence artificielle pareille, c'est plutôt... C'est pas très... Maintenant on dirait ouais c'est la base. Mais pour l'époque c'est quand même très 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 évolué. Haha, tu m'as loupé. Oh putain, dégage. Allez, on avance. Wow, 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 il commence à y en avoir beaucoup là, hein. Wow, 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 wow. Dégagez. Donc l'avantage c'est qu'il saute, mais je peux quand même les toucher. Ah non, il m'a eu. Je peux quand même les toucher quand ils retombent au sol. Bon, heureusement, le jeu est pas très très difficile en soi. Hein. On meurt très souvent du fait de pas avoir fait attention aux énigmes ou des trucs comme ça, mais en soi c'est pas très très dur. Wow. Bon, bon, j'ai voulu essayer de passer en forcing, mais non. Non, 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 non. Donc, il y a des petits passages comme ça. Orienté, on pourrait dire action. Mais la majorité du jeu, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu d'aventure énigme. Donc, la majorité du jeu va se passer dans des zones où il y aura plus des énigmes que des phases d'action. C'est pas pour autant que le jeu est ennuyeux ou qu'il a un rythme lent. Parce que même s'il n'y a pas forcément beaucoup de phases de combat, il y a quand même énormément de phases d'action au niveau des énigmes. Je vous en dis pas plus, vous allez voir par la suite. Alors là, l'inconvénient c'est qu'ils arrivent à l'infini par derrière, parce qu'ils arrivent par la grotte que j'ai creusée en détruisant le stalactite. Du coup il va falloir faire le ménage pour pouvoir avancer. Hop hop hop, allez dégagez, dégagez. Non non non, trop près, trop près, trop près. Ah non. Ah, ça commence à être chaud là. Tendu, tendu. Voilà, allez vite. Hop.
Punaise, il m'a fait tomber. Le saligo. Ah, je pense qu'il faut leur sauter au-dessus. Mais ou alors les tuer, je sais pas. Non, leur sauter au-dessus. Voilà, comme ça. Yep. Ah. Allez, on passe. Là, il faut monter. Il faut monter. Ah oui, non, non, non. D'abord, il faut que je tue celui qui est en haut, parce que je crois que celui qui est en haut me fait tomber. Bon, c'est... Par moment, c'est très Die and Retry, hein, je vous l'accorde, mais bah c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. De toute façon, s'il y a des passages qui sont vraiment très compliqués, je couperai au montage, hein, bien entendu, mais... Dégage-toi! Ah oui, non, d'accord, d'accord, d'accord. Non, je peux pas monter directement parce qu'il m'attaque. Alors, comment faire? Bon, il faut peut-être pas monter tout simplement et avancer. Hein. Mais dans mes souvenirs, il fallait monter. Ah! Je me suis trompé. Parce qu'en fait, si vous. Pour sauter vraiment en l'air, il faut pas appuyer sur la croix directionnelle. Si vous appuyez sur la croix directionnelle, Andy fait un saut vers l'avant et pas un saut en l'air. Dégage toi. N'appelle pas tes potes. Bon, on va avancer par là, on va voir. Hein. Ouais, non, il faut monter, il faut monter. Là, il y a... Il n'y a rien. Ok, donc il faut monter. Comment on fait pour l'avoir, lui? Je me rappelle plus. Ah, voilà. Tac. Aha. Et voilà. Donc ça, c'est très bien. Vous voyez, là, rien ne laissait présager que le décor allait se briser et tout ça. Et ça, en soi, c'est vraiment très très bien fait, je trouve. Lui, il vient de bouffer mon fusil, accessoirement. Cours, on court. Je suis poursuivi, on court. Tu ne m'attraperas pas. Ah, et comme c'était une ombre, vous avez vu, passage à la lumière, elle est morte. Donc maintenant on est désarmé, donc on entre vraiment dans l'aspect... Oh putain. Dans l'aspect énigme du jeu. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. Et très attention à ce lézard aussi, parce que moi au début je croyais que c'était un truc qui venait nous aider et tout ça, parce que bah il nous indique le chemin, mais en fait non, il peut nous bouffer si on fait pas attention. Et là je me suis fait avoir parce qu'en fait, quand on saute, il faut réappuyer sur le bouton de saut pour s'accrocher. Voilà. Descends, descends, voilà. Il a pas peur d'escalader comme ça. Alors là aussi. Là aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on continue? Non, vous savez pas? Bah regardez. Il fallait y penser, hein. Là, quand j'étais plus petit, j'ai réussi à passer ce passage parce que ça m'agaçait tellement de pas trouver que j'ai sauté comme un couillon et du coup, bah j'ai réussi à avancer. Mais au début, voilà, rien n'indique que il fallait sauter. Donc ça, c'est bien. J'aime bien ce truc. Alors là, voilà. Là, je trouve ça plutôt sympathique. Le fait que les éléments de décor avec lesquels on peut interagir ne soient pas indiqués. Et là, cinématique, avec même les graphismes du jeu, c'est plutôt pas mal. Et voici le château du roi des ténèbres. Pitié, maître! Incapable! Connais-tu le châtiment réservé à ceux qui échouent? De Bruxelles! Chou de Bruxelles! Oh la blague! Alors, le doubleur de cette petite créature rose, il a fait aussi la voix dans un autre jeu, mais je. Écoutez, mais j'arrive plus à me savoir. Le maître attend.
Si vous arrivez à me dire quelle c'est la voix de quel autre personnage de jeu vidéo, je veux bien en commentaire parce que je me rappelle plus. Écoutez. Je commence à me faire vieux pour tout ça, moi. Oh, maître ! Oh, maître suprême de l'obscurité ! Moi, votre conseiller, serviteur de votre vénérable grandeur, je me prosterne devant votre ombre, dont la puissance est grande ! La pauvre larve que je suis ! Oh, maître des ténèbres, je suis là pour vous annoncer une grande nouvelle ! Une nouvelle qui réjouira les ténèbres ! Une nouvelle qui... Silence, Horton ! Épargne-moi tes discours ! J'espère que cette fois, tu ne me déranges pas pour rien. Amenez-le vite, crétin! Nous l'avons capturé! Oui, butez-le, maître! Ouvrez ce sac! Misérable! Est-ce là l'enfant que tu m'as promis? Maître, à votre âge, un élément de compagnie serait le bienvenu. Non, souvenez-vous, maître, je ne sais pas voler. Faites pas hypertrophier des amygdales. Maître, Andy est entré dans notre monde. Envoyez les spectres. Et voilà, Andy est entré dans le monde des ténèbres et les méchants le savent. Alors, on sait pas trop pourquoi ils veulent capturer Andy. Bon, moi-même, je ne m'en rappelle plus. Mais bon. Donc voilà, et ben les amis, ce sera la fin de ce premier épisode sur Heart of Darkness. Un épisode un petit peu court, je vous l'accorde, mais c'était plus un épisode introductif qu'autre chose. J'espère en tout cas que du coup vous avez envie de découvrir les aventures que Andy va vivre à mes côtés. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. Et bien entendu, donnez-moi votre avis sur le jeu dans les commentaires, pour ceux qui connaissent pas ou pour ceux qui connaissent éventuellement. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine aventure. Salut tout le monde !